Emmanuel Keita. Le visage de FaceApp. FaceApp doit changer le logo. On met seulement ta tête qui est botoxée là. Comme tu connais là. On doit laisser l'enseigne de FaceApp. On met ton visage. Parce que tu as vraiment valorisé cette application là. Alors qu'en vrai. Mais tu n'es pas comme ça. Hein. Je vais t'expliquer un petit truc, Emmanuel Keita. La première fois que j'ai vu ton émission, j'étais choquée. Parce qu'en vrai, on voit d'abord l'émission qui commence. Oh, Emmanuel Keita, émission du gloss. On voit les photos. Les photos retouchées, on dirait quelqu'un. Tu as vu le genre là, des personnes là. La retouche, le niveau des retouches des photos sur le générique de ton émission. Et quand le générique termine, une fois qu'on tombe sur ton crâne à la télé, caméra face to face, mais quelle déception. Mais quelle déception. Vois ton équipe de NCI là-bas, et puis je ne sais pas si c'est NCI, je dis n'importe quoi, je ne sais pas. Mais vois ton équipe, si on peut te trouver un caméraman qui a l'application là, pour que ton visage ne soit pas aussi choquant que ça. Trouver un caméraman là qui a filmé ton émission sur FaceApp. Parce que ton crâne n'a rien à voir avec ce que tu nous montres en photo. Hein. Ton visage, regarde-moi Moussitou, même Moussitou, je suis la petite soeur de Mourumi, la sirène, je suis de la Nyanga, de la Ngounié. Regarde ma tronche. Moi, je me montre ici tous les... Je peux utiliser l'application, c'est vrai. Parce que j'ai ça. J'ai payé l'abonnement de 1 an, là, des FaceApp, là, que de temps en temps, je peux glosser ma photo. Mais ce n'est pas ma life, ma chérie.